Voici la grenade de résurrection. Cette grenade permettait de réanimer un allié quand tu lui jetais la grenade dessus instantanément. Cette grenade est apparue lors du chapitre 1. Et si tu le sais pas encore, vendredi 3 novembre, nous allons retourner au chapitre 1 sur Fortnite. Parce que là, en ce moment, on est au chapitre 4. Normalement, on doit passer au chapitre 5 en décembre. Eh bien non, tout le mois de novembre, on va retourner en arrière, plus de 5 ans en arrière, au chapitre 1. Aujourd'hui, j'ai voulu vous dresser une liste de 33 objets que seuls les anciens joueurs ont connus sur Fortnite. Il y a des dingueries et très certainement, la plupart vont être de retour le 3 novembre. On commence par une arme, le pompe. À l'époque, le pompe chasseur était un sniper. Il avait une portée infinie. Les dégâts du pompe ne baissaient pas en fonction de la distance où tu tirais. Ce que Epic a rapidement supprimé. Numéro 2, on va revenir à un classique. Peut-être beaucoup d'entre vous s'en souviennent, mais pour ça, il fallait jouer au chapitre 1. Seuls ceux qui ont connu le chapitre 1 ont le droit de liker cette vidéo. C'est pas bien de mentir, parce que je sais qu'il y en a d'entre vous, ils ont commencé à jouer à Fortnite seulement au chapitre 2, ou même au chapitre 3, voire chapitre 4. Ce qui veut dire que vous n'avez pas connu la map originelle de Fortnite. Mais c'est pas grave, vendredi 3 novembre, je serai en live sur la chaîne. Cet item, c'est le poisson. Il était dans la ville de Ritero sur la map. Si tu te mettais devant ce poisson à Ritero et que tu te mettais à danser, le poisson lui aussi se mettait à danser. La grosse pote, tout le monde la connaît. Elle a été rajoutée dans le jeu il y a plus de 2200 jours. Tu vas me dire, quelle est la rareté d'une grosse pote? Bleu. Eh bien, pour les anciens joueur, la grosse pote, au tout début du chapitre 1, était de rareté grise. Les médics aussi étaient gris. Epic Games prévoit de nerfer la grosse pote, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Avant qu'on passe au prochain objet, dédicace à ces 4 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous, vous faites partie maintenant de la team des déchaînés. Si toi tu veux une dédicace dans la prochaine vidéo, t'as qu'à juste à t'abonner en activant la cloche. Il faut qu'on parle de l'écran de chargement du début du jeu Fortnite. À l'époque, on rentrait pas directement dans le jeu. On avait 7 écrans de chargement où on pouvait choisir soit on va dans le Battle Royale, soit on va dans Sauver le monde, et on entendait aussi la musique du chapitre 1, la musique originelle. Tu savais à ce moment-là que t'allais passer un bon moment et t'allais jouer des heures durant la nuit. Quelque chose de moins drôle, le Friendly Fire. À l'époque, sur Fortnite, quand tu lançais en duo ou en section, tu pouvais mettre des dégâts à ton duo et le tuer. Comment te dire que c'est un peu parti en cacahuète? Epic, on nerf depuis le Friendly Fire. Va-t-il être de retour? Mais Fortnite a ajouté quelque chose de génial. En saison 5, on pouvait faire du golf sur Fortnite. C'était au nord de la map, à Lazy Link. Hop, tu pouvais prendre directement ta danse, taper et t'avais des missions pour mettre la batte dans le trou. Numéro 6, il faut qu'on parle de la toute première tempête de Fortnite. La tempête maintenant, c'est violet. On peut la voir sur la map, on sait qu'elle est là. À l'époque, la tempête avait une texture très spéciale. C'était des hexagones collés l'un à côté de l'autre. Et sur la map en haut à droite, il y avait seulement des cercles qui te disaient où est-ce qu'était la prochaine zone. Je parie que beaucoup d'entre vous ont oublié le drop de Noël. C'était le premier Noël de Fortnite. Il était rouge. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les buissons qui avaient changé, qui avaient des guirlandes à l'intérieur, ainsi que la musique du Winterfest. Ah, nostalgie, hein? Les balançoires. Il y avait des balançoires dans les villes, et si tu t'amusais trop avec, et tu rentrais en collision avec elles, tu te faisais ban du jeu. Fortnite analysait que ton skin bougeait trop rapidement et pensait que tu cheatais. Bien entendu, Epic a réussi à résoudre le problème très rapidement. Il aura fallu beaucoup plus de temps pour supprimer le double pompe. Papa! C'était un sujet très populaire à l'époque. Des personnes disaient « Non, il faut le garder, c'est trop bien !» Et d'autres personnes qui disaient « Mais mec, c'est trop OP, c'est trop fort !» Comment ça, tu peux tirer une balle de pompe, changer ton arme et faire « Pah, pah !» T'avais pas de temps de latence entre tes balles. Et un jour, lors d'une mise à jour, plus double pompe. Qu'est-ce qui donnait des items à l'époque? Les distributeurs. On avait des premiers distributeurs où on donnait pas de l'or à l'époque, mais des ressources, comme du bois, de la pierre et du métal. T'avais qu'à juste taper le distributeur avec ta pioche. Les arbres. Maintenant, quand tu prends du stuff, tu fais pas attention, tu casses ton arbre. C'est bon, t'as du bois. À l'époque, il fallait jamais casser un arbre en entier. Car tu pouvais repérer à des centaines de mètres si quelqu'un cassait un arbre. Du coup, tous les joueurs pro disaient, l'arbre, tu le pètes jusqu'à qu'il ait 50 HP, tu touches plus. On va passer à un mythe assez dérangeant. À l'époque, tout le monde pensait que courir avec la pioche en main, t'allais plus vite. Donc, personne courait avec une arme, un pompe en arme. On courait tous avec la pioche. Alors, il y avait des tests qui avaient été faits sur YouTube. Avec des gens qui faisaient des lignes droites à la pioche avec les armes et tout. Alors que c'était pas du tout le cas. Il y avait zéro différence. Je suppose qu'il y avait d'autres jeux qui avaient des mécanismes similaires. Du coup, on pensait qu'en fait, voilà, t'as la pioche, tu vas plus vite. Un truc encore plus pire! Oui, je dis plus pire. L'inventaire de l'époque, c'était honteux. C'était de là tes armes, c'était tout à gauche, tes munitions, c'était en haut à droite mélangé avec tes ressources. T'avais tous les analytiques de ton arme en plein milieu de l'écran, ça prenait toute la place, tu voyais plus ton jeu. À l'époque, on était tous noobs. Du coup, bon, ça allait. Maintenant, je vais vous raconter un défi qui nous a tous marqués.
en tant qu'ancien joueur, les 7 coffres à Risky Reels. Alors, on avait un défi pour débloquer un nouveau skin. C'était vraiment la première fois que Fortnite mettait ça en place, de faire des défis et d'avoir des skins gratos. À l'époque, c'était une dinguerie. Et du coup, chaque endroit où il y avait un défi, il y avait toute la map. Il y avait une ville, Risky Reels, il fallait ouvrir 7 coffres. C'était l'arène. Et ça, pendant une bonne semaine. Hein. C'était pas 3 jours après que tout le monde ait fait les défis, qu'il n'y avait plus personne. Non, c'était le Tilted Tower pendant une semaine. C'était vraiment compliqué. Il y avait aussi des défis autour de structures à trouver sur la map. Est-ce que si je te dis qu'il y avait un crabe géant, un lama géant, une tortue et une chaise géante, ça te dit quelque chose? Tu pouvais modifier ces structures alors qu'elles n'étaient pas à toi. N'importe quelle personne dans le jeu pouvait les modifier et les utiliser. Il y avait des coffres cachés dedans et surtout des étoiles pour augmenter ton pass de combat. Le camion de glace. Il y avait un camion de glace qui avait 1 million d'HP. Quand tu t'approchais à côté de lui, t'entendais un coffre. On était fous. 1 million d'HP. Alors, hop, tu commençais à le casser. Ce qui se passait, c'est que tu te faisais tuer par quelqu'un qui te voyait. C'était très compliqué. Mais du moment où tu réussissais à le casser, bah en fait, t'avais un coffre normal. Avec un loot tout à fait normal à l'intérieur. Ça a foutu le seum. Dis-moi dans les commentaires si t'as connu ce coffre de glace. Les bannières des joueurs. À l'époque, quand t'étais en train de regarder une personne jouer, une POV, parce que t'étais en mode spectateur, tu pouvais voir sa bannière, ce qui te permettait de savoir le niveau du joueur. À l'époque, le niveau max, c'était niveau 100. Et il était très, très, très compliqué à atteindre parce que tu n'avais pas autant de défis et pas autant d'XP à gagner. L'XP, tu le gagnais en faisant des kills et en faisant 2 points. Voilà tout. Donc, si tu étais sur un joueur qui avait une bannière extrêmement évoluée, c'était le seul moyen de savoir si c'était un bon joueur ou pas. Au chapitre 1, on pouvait pas construire sur le lac. Oh, je vais aller sur l'île au milieu. Good luck, mec. Tu vas mourir. Le lac, tu marches dedans, tu vas lentement. Il faut que tu sautes. On nageait pas à l'époque et pas construire. On passe au cube. Cube violet, cube Kevin. Je pense vraiment que tous les anciens joueurs se souviennent du cube. Il est apparu en plein tournoi skirmish, dans le désert, suite à un éclair. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le cube bougeait sur la map. C'est vraiment le début des événements Fortnite. On est en mode, mais qu'est-ce qui se passe sur la map? On voyait des choses en direct se passer. Des centaines de joueurs se réunissaient en live. D'ailleurs, peut-être que toi, t'étais sur un de mes lives à l'époque. J'avais à cette époque-là, quoi. 30, 40 000 abonnés. Maintenant, regarde comment les anciennes armes et les grenades ressemblaient quand tu les avais dans ton inventaire. C'était un logo image. Grenade, image, blanc, nada. C'est fou de voir quand même comment le jeu a progressé. Numéro 23, la communauté, un jour, s'est mis à jouer à Pleasant Park. Il y avait là-bas du foot. Un ballon, 2 cages, les joueurs pouvaient taper la balle. Et à l'époque, on n'était pas là à tryhard comme des oufs. Des fois, on spawnait sur le terrain de foot, on se tuait même pas, on prenait pas de stuff, juste on jouait. C'était différent quand même. Comme les pièges, il y en avait une ribambelle. Je pense que tu connais celui-là comme piège, le piège à pic. Mais il y avait un piège électrique, il y avait un rebondisseur qui te faisait rebondir en fonction de la direction où tu marchais. Honnêtement, parfois les pièges me manquent, mais en fait, pourquoi les enlever? C'est que c'était trop facile au bout d'un moment de tuer des personnes en les boxant, en mettant un piège à droite et à gauche, ils mouraient. Il y avait trop une différence entre les joueurs qui savaient construire et qui savaient utiliser les pièges, et entre une personne qui savait construire mais qui ne savait pas utiliser les pièges. C'était trop cheap. C'est pour ça aussi que par la suite, ils ont supprimé que le sniper one shot. Pourquoi? Les gars étaient trop forts. Pourquoi Fortnite patch des armes trop cheatées? Parce que si un bon joueur sait bien l'utiliser, il détruisait tout le lobby, comme le double pompe. Numéro 25, la boogie bombe. À l'époque, quand tu jetais une boogie bombe, qu'est-ce que c'est? Ça te faisait danser. Ça te faisait danser pendant 10 secondes. T'en avais 3, le mec il dansait pendant 30 secondes. Il a fallu du temps pour Fortnite pour les nerfer. Bah, du coup, je m'excuse pour les joueurs auxquels j'utilisais les boogie bombes. Je comprends que c'était rageant. Mais pas aussi rageant que l'objet le plus mythique de Fortnite, le Zapotron. Cette arme est restée seulement 30 minutes dans le jeu. On a un seul clip sur l'arme. Le joueur l'a trouvé, l'a utilisé. Il a tué instantanément un ennemi. Alors, on a le droit à un Zapotron légendaire. Fortnite s'est rendu compte qu'elle était trop cheatée. Ils l'ont supprimée. Depuis, on n'a plus jamais eu le Zapotron. Et ça reste une arme qu'on sait extrêmement forte. Et j'aimerais tellement que Fortnite lui fasse un clin d'œil et qu'elle revienne le 3 novembre. En parlant de quelque chose de cool, tu savais que Fortnite avait baissé le prix des V-Bucks. Lors de leur guerre contre Apple, pour amener plus de personnes sur la plateforme, ils ont en fait décidé de réduire le coût de leurs V-Bucks. Bon, là je te dis ça, c'est cool, c'était à l'époque. Mais là, ils les ont remontés. Voilà, là, ça fait quelques jours quand je tourne cette vidéo. Bam, ça coûte plus cher. Du coup, là, on est revenu comme à l'époque. Il faut maintenant qu'on revienne sur cette grosse potion. Tu penses peut-être qu'elle a jamais changé depuis 2200 jours. La grosse pote a toujours été comme ça. Eh bien non, elle a changé 2 fois. Et elle va encore changer très bientôt. Au début, on pouvait avoir 5 grosses potions dans un même inventaire. Ils ont réduit à 2. Puis ils ont fini par l'améliorer de nouveau à 3. Donc on est passé à 5 dans l'inventaire, 2, on est remonté à 3. Ils avaient même eu l'idée que, imaginons, t'avais 75 de shield, tu bouvais une grosse pote qui t'en donne 50. La grosse pote restait dans ton inventaire avec 25
25 de shield à l'intérieur, ce qui est intéressant. Et il paraît que c'est un changement qui va pas tarder à arriver. Est-ce que tu te souviens du premier item gratuit que Fortnite a donné aux joueurs? C'était en saison 0, il fallait passer niveau 25, c'était un planeur. Je vais aller voir si je l'ai. Casier, inventaire, saison. Il est où? Il est là! Le Mako! À ce jour, c'est toujours le planeur le plus rare de Fortnite. Il est masterclass. Hein. Si tu l'as dans ton inventaire, c'est vraiment que tu as commencé à jouer à Fortnite au tout début. Et tu peux en être fier. Pour ceux qui n'ont pas connu le chapitre 1, j'espère que vous allez être présents. Vendredi, on sera en live. Activez la cloche, abonne-toi à ma chaîne si tu veux suivre les prochaines vidéos. Et est-ce que tu te souviens de pourquoi je me suis tatoué mon code Unchained sur mon bras? Je vais pas te dire la réponse, écris-la dans les commentaires si tu t'en souviens. Bonne journée à vous la team! C'était Unchained, geek comme un porc. Et on se retrouvera 5 ans plus tard pour parler de la nostalgie du chapitre 4. Tu peux juste cliquer ici si tu veux voir une autre vidéo masterclass. Ciao bye! C'est merde!